Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième webinaire, donc ici comme thème « Booster la motivation de l'apprentissage des maths » avec Can Academy. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce mercredi et que, comme vous pouvez le constater si vous étiez là la semaine dernière, tout fonctionne et on est là à l'heure. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va surtout parler de la pédagogie de la maîtrise, qui sera en fond durant toute la présentation. La pédagogie de la maîtrise, c'est le fondement de Can Academy, c'est-à-dire que tout le monde peut tout apprendre s'il se laisse le temps d'apprendre, le temps de s'exercer. Ensuite, nous verrons toute la partie badge, points et avatar qui sont sur le site internet de Can Academy. Et ensuite, on aura une petite séance de questions-réponses. Alors, avant de commencer, on va peut-être se présenter. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Habiba Diani. Je travaille pour Bibliothèques sans frontières et je forme les enseignants à l'utilisation de Can Academy. Mais je suis également professeur de mathématiques. J'ai 3 ans d'expérience en tant que professeur de mathématiques. J'ai enseigné autant les petits que les grands, donc de 12 jusqu'à 18, et dans les différentes options telles que générales ou techniques. Ici, nous sommes en Belgique, donc ça part de la première à la réto, on dit. Et vous, qui êtes-vous? Qui est là? Y a-t-il des parents? Y a-t-il des professeurs de maths, des professeurs de sciences, ou des parents qui sont là? Êtes-vous en Belgique? Êtes-vous en France? Allez-y, ça m'intéresse, inscrivez-le sur le chat. Comme ça, je pourrai orienter la formation également pour vous. Alors, Can Academy. Can Academy, on repart toujours des origines. Alors, les origines de la création de la plateforme, c'est Salman Khan, le fondateur de la plateforme, qui habitait aux États-Unis et qui avait une cousine qui habitait de l'autre côté des États-Unis. C'est un pays assez grand, on n'a pas le temps de faire l'aller-retour. Bon, en Belgique, on est un petit pays, mais déjà même la France, c'est un grand pays et on ne pourrait pas aller du nord au sud en une journée. Et donc, sa cousine a des problèmes en mathématiques et il propose de l'aider d'abord par téléphone. Bon, par téléphone, c'est déjà bien, mais il manque un contact visuel. Et donc, il achète une tablette numérique et il commence à enregistrer des podcasts pour sa cousine. Et puis, ce qui est hyper facile avec les podcasts, c'est de les mettre sur YouTube. Comme ça, après, on a juste à cliquer sur YouTube, on tombe sur le bon lien et on suit la vidéo. Et là, en fait, il se rend compte que ces vidéos ont un sacré succès. Et qu'il y a pas mal de monde qui les regarde. Et du coup, lui vient l'idée de créer une plateforme dédiée au contenu mathématique et en même temps de créer des exercices. Alors, voilà, il a créé donc du coup Can Academy, qui est une plateforme 100% gratuite et elle le restera toujours. Il y a de plus en plus de contenu dessus, donc vous le verrez, il y a du contenu maths, mais il y a les sciences, il y a toute une partie pour apprendre le codage. Et puis, il y a une partie d'esprit de développement qui fera partie du séminaire de la semaine prochaine. Alors, Can Academy aussi travaille énormément sur l'image de l'erreur. Donc, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, j'en parlerai, je crois, à chaque webinaire. C'est que l'image de l'erreur, qui est beaucoup trop ancrée ici dans nos sociétés occidentales, c'est que l'erreur n'est pas bien. C'est faux. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, d'accord? Et dans le site de Can Academy, sur la plateforme, on ne va jamais sanctionner une erreur, d'accord? Donc on ne va pas sanctionner l'erreur, on va juste inviter l'apprenant à refaire les exercices. Alors, je souhaite la bienvenue, donc là je vois qu'il y a des professeurs de maths, bonjour à vous, et alors je fais un coucou particulier à plusieurs personnes qui sont au Maroc.
Donc, bonjour à vous. Et c'est ça qui est formidable du Facebook Live, c'est qu'on peut toucher, ben, du coup, plusieurs personnes, enfin, tout le monde de la francophonie. Donc, c'est vraiment génial. Donc, bonjour à vous. Donc, voilà, je continue. Et rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, le plan du webinaire. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer la pédagogie de la maîtrise, donc en utilisant la plateforme Khan Academy. Ensuite, on verra les points, les badges, les avatars, et puis aussi faire exprimer les jeunes, ou en tout cas leur montrer comment faire sur la plateforme. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment travailler de manière asynchrone avec Khan Academy. Alors, peut-être pour certains, ça sera une redécouverte ou une découverte de Khan Academy. Alors, il y a la partie toujours élèves et enseignants, et dans cette partie-ci, on va jongler entre la partie élève et la partie enseignant. Donc, on sera tantôt dans la partie élève, tantôt dans la partie enseignant. Le webinaire de la semaine dernière était une prise en main. Donc là, ici, arrêtez-moi s'il le faut, via le chat, mais je pars du principe que vous l'avez déjà utilisé, ou alors contactez-moi via le chat pour peut-être vous renvoyer vers les ressources pour pouvoir utiliser la plateforme par après. Alors, Khan Academy existe en plusieurs langues, comme son origine l'a été créée aux États-Unis, elle est en anglais. Donc j'attire votre attention sur le fait que pour trouver Khan Academy en français, il faut avoir le FR devant, d'accord, pour trouver le site internet en français. L'application de la pédagogie de la maîtrise sur Khan Academy, ça peut se faire de deux manières, selon moi. Après, il en existe plusieurs, mais aujourd'hui, on va parler de deux manières. Donc, la pédagogie de la maîtrise, c'est se dire, OK, tout le monde est capable d'apprendre si on laisse le temps aux choses et se donner les moyens. En tout cas, sur Khan Academy, il y en a beaucoup des moyens, puisqu'il y a beaucoup d'exercices. On peut les refaire à l'infini, d'accord ? On peut s'entraîner et surtout on s'auto-corrige puisque la plateforme corrige automatiquement l'élève. Donc ça pourrait se faire sur la partie, donc en attribuant des devoirs par partie. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors là je suis connectée, je suis déjà connectée, on est sur le site de Khan Academy, on le voit bien en français. Et alors je vais dans ma partie enseignant. Je vais dans ma partie enseignant et moi, mon idée ici, c'est de motiver un élève à se dire, bon ben, tu maîtrises, il y a des choses que tu maîtrises en maths, oui, tu sais le faire. Et donc, ben, ici, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans ma classe Facebook Live, que j'ai créée ben, d'ailleurs la semaine dernière, et je vais lui attribuer des devoirs. Mais des devoirs, parce que, bon, Khan Academy, la partie attribuer des devoirs, ça s'appelle des devoirs, mais je vais lui attribuer des choses qui vont le motiver. D'accord ? Donc là, j'ai un élève, admettons, j'ai envie qu'il revoie les bases et je veux vraiment le motiver parce qu'on est pendant l'année, j'ai remarqué qu'il avait des difficultés, il est en train d'être découragé. Et du coup, je me dis, ben, non, c'est trop dommage, il ne faut pas le décourager, on est en plein en train de voir les puissances et j'ai envie de lui montrer qu'en fait, les puissances, il sait les faire. Donc là, je vous conseille de seulement lui envoyer un exercice dans lequel il saura se débrouiller. Donc on vérifie toujours avant de donner un exercice si ça correspond bien à la demande. Donc en cliquant dessus, le site internet est un peu bien. Donc en cliquant dessus, on peut voir, voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, les élèves feront 7 questions sur 28, donc il y en a 28 des différentes, donc en fait, je pourrais lui en redonner des différentes. Donc c'est exactement ça que je veux donner à mon élève pour lui redonner confiance, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour motiver un élève, c'est qu'il voit qu'il est à l'aise dans la matière, il la maîtrise. D'accord ? Donc là, je vais lui affecter une matière, mais vraiment pour le motiver. Et je vais le donner qu'à José de Terre. Voilà. Donc là, je vais lui affecter, c'était vraiment dans un objectif de se dire, il va faire un exercice, il va se rendre compte qu'il est à l'aise dedans et ça va lui redonner de la motivation dans les mathématiques. Ensuite,
une des deuxièmes façons que je peux vous que je vous propose ici dans ce webinaire, c'est de suivre les parcours de maîtrise sur Khan Academy. Alors, donc, les parcours de maîtrise sur Khan Academy, on voit qu'on est sur un parcours de maîtrise quand on voit ici au-dessus des points, donc un slash, donc on voit que tout le parcours de maîtrise algèbre 1, il est sur 11 200, et que moi finalement je n'ai fait que 7% de ce parcours. Alors les niveaux de maîtrise, c'est vraiment, ça se base sur la répétition, sur la révision des compétences acquises d'un cours, d'une leçon, d'accord? Allons voir comment ça se profile sur le site Khan Academy. Alors je vous ai dit, c'est dans la partie, ça on la trouve dans la partie maths accès par partie. Tout ça ici comprend un niveau de maîtrise, d'accord? Donc là ici, je clique sur algèbre niveau 1, hop, et là, je suis directement invitée à commencer les défis de maîtrise. Alors, les défis de maîtrise, on voit que c'est 11 200 points, évidemment, ça c'est toute l'algèbre, mais on peut évidemment sectionner tout ça. Admettons que l'année qui vous concerne ne concernera que les bases, eh bien, on peut rentrer plus spécifiquement dans les bases et se dire, OK, mon objectif, ce sera d'atteindre le maximum dans cette partie-là. Donc, n'hésitez pas, en tant qu'enseignant, à booster votre élève, à utiliser et à se positionner par rapport à ces points qu'il y a sur le site Internet, sur la plateforme. Voilà. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que il y a des questions? N'hésitez pas à écrire sur le chat en attendant que le site Internet se mette en place. Voilà. Alors, ici, on est... Et alors, directement, ici, on voit quoi? On voit... Je suis dans le chapitre des bases. Dans le chapitre des bases. Et là, je suis quand même un peu plus avancée, en fait. Je suis un peu plus avancée. J'ai 16% ici de maîtriser. Et puis, surtout, je vois là les petits cônes qui se remplissent. Et ça, ça veut dire qu'il y a des compétences que je commence à acquérir. C'est vraiment super motivant pour les jeunes de voir que... Ben, le vase se remplit, hein. Donc ça veut dire qu'on se remplit de connaissances et ça rassure et ça motive les jeunes. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai mon élève José de Terre. Donc, je retourne dans la partie enseignant. Je vais dans ma classe Facebook Live. Voilà, je vais dans ma classe Facebook Live. Et là, ici, je regarde un peu dans le domaine de maîtrise. Donc là, c'est vraiment un endroit spécifique pour attribuer des domaines de maîtrise. Et j'ai demandé à José et Joséphine de faire un domaine de maîtrise qui était l'algèbre 1. Moi, en tant que professeur, je peux aller voir et je peux aller voir ses résultats et me dire, ah oui, là où il se positionne. D'accord? Dans les différents chapitres. D'accord? Il y avait peut-être des chapitres qui étaient plus compliqués que d'autres, mais voilà, en tant que professeur, on peut vraiment voir la progression. Et voir la progression, c'est encore plus faire de la différenciation. Je pense vraiment qu'au plus on fait de la différenciation, au plus on est précis et juste, au mieux on saura motiver les élèves. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on les démotive sans faire exprès parce qu'ils sont dans une difficulté trop forte, quelque chose qui ne les correspond pas. Alors, les niveaux de maîtrise, juste pour information, donc Khan Academy considère qu'on est familier quand on est en dessous de 70%, compétent au-delà de 70%, et maîtrisé quand on est à 100%. Voilà, ça c'est comment la plateforme le comprend, mais aucune obligation de suivre cela, d'accord? Maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Donc,
Un autre levier de motivation en utilisant le Khan Academy, c'est les points. Alors les points, ici, ce n'est pas t'as 5 sur 10 parce que tu as réussi 5 trucs sur 10. Non, les points mesurent l'effort. D'accord? Ça veut dire que j'ai pris l'effort de regarder une vidéo, je gagne 850 points. C'est vraiment pas mal. Donc, quelqu'un qui a vraiment des grosses difficultés en maths, c'est donner à tout le monde de regarder la vidéo. On n'est pas encore sûr que c'est compris, mais il regarde déjà la vidéo. Donc, il a quand même pris le temps de la regarder. Alors, fatalement, on gagne un peu moins de points quand on l'a déjà visionné. Même chose pour les exercices. Donc, on peut gagner vraiment énormément de points quand c'est des exercices dans lesquels c'est nouveau. Et dès qu'on en refait pour se renforcer, on en gagne un peu moins. Les cuisses, pareil. Alors, à nouveau, les points n'ont pas vraiment de grand. Donc, ils sont utiles, mais il faut montrer aux élèves, il faut leur montrer le chemin. C'est ce que je dis, c'est vraiment de mettre en avant leurs points obtenus. Alors, on va voir un peu comment ça se passe. Ici, donc, je retourne à l'accueil apprenant. Donc là, je suis sur mon compte, mais comme si j'étais un élève. Alors, les points, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux points de l'élève. Lui dire, dis, après 2 semaines par exemple, dis, t'as combien de points maintenant? Ah, c'est pas mal, t'étais à combien la semaine dernière? Donc, s'intéresser à ces points de Khan Academy, qui sont des points qui mesurent son effort. Donc, c'est vraiment s'y intéresser, ou peut-être, si vous trouvez que ça en a allez, si ça pourrait être sympa dans votre classe, c'est de faire un tableau, un ranking, et dire, ah ben voilà, celui-là est devant, ah une petite course au point. Une course au point, et dire, ben voilà, ceux-là, ils sont dans la bulle des 10 000 points, ceux-là, ils sont dans la bulle des 20 points, et de faire des groupes. Comme ça challenge un peu, parce qu'on gagne des points en faisant des efforts, en faisant des exercices de révision, en faisant même d'autres activités sur Khan Academy. On peut mettre en compétition des élèves avec des points, mais ce n'est pas les points de la classe comme on a l'habitude de le voir. Donc, ça ne va pas pénaliser les plus faibles. Alors, donc vraiment, les points en tant que tels, ils vont vraiment avoir un intérêt si le professeur développe des manières de les mettre en avant. D'accord? De dire, je vous lance le défi de gagner 1 000 points sur la semaine. Et de prendre le temps à la fin de la semaine de dire, bon, qui a gagné les 1 000 points demandés? Voilà, ça aura vraiment un intérêt. Alors, ici sont inscrits les points. Alors, il faut bien noter, peut-être aux élèves qui n'ont pas l'habitude, que ici, les points, donc, il y a une petite virgule, parce que c'est écrit comme aux États-Unis. Par contre, quand on met sa souris au-dessus, il y a un petit espace, donc on voit bien que j'ai 95 000 points, mais pas 95 virgule. Voilà. C'était juste une petite attention pour les jeunes, parce que peut-être ils ne le savent pas. Alors, ensuite, les avatars. Alors ça, les avatars, c'est trop mignon. C'est vraiment mignon. Voilà, ce qui va me représenter ici. Moi, je suis Cane Démo et moi, j'ai choisi un avatar rouge. Ben, c'est celui-là qui me plaisait. Et en fait, ce qui est sympa, c'est de le faire évoluer, comme dans les Pokémon. Donc, au plus, il apprend des choses, il gagne une bataille, etc. Il peut évoluer. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant de, si on compte utiliser, on a envie d'utiliser Khan Academy sur le long terme, parce que Khan Academy, c'est une plateforme qui est intéressante en l'utilisant sur le long terme. Et donc, de se dire, ben voilà, comme objectif, à la fin du trimestre, avant les examens, on essaie d'atteindre tous le stade 1 de son avatar. Regardez-moi, donc ici, donc ça se passe ici, on peut choisir ces différents avatars. Et moi, je suis trop content parce que bientôt, je vais encore travailler un peu dessus et je fais pas mal d'exercices pour essayer de gagner ces 100 000 points. J'ai vraiment envie. Peut-être la semaine prochaine, je vous promets rien, de passer au suivant, quoi. Parce que là, j'y suis presque en fait. Donc, je suis contente. Voilà, je voulais le partager avec vous. Alors.
Idem, l'avatar, ce qui est intéressant, et donc à nouveau pour motiver les élèves sur une plateforme, c'est d'abord au départ de prendre le temps, de prendre leur temps, de s'intéresser à leur profil sur la plateforme. Dès qu'un adulte, leur prof, leur parent va s'intéresser sur leur profil, ils vont y trouver un intérêt. Et après, pour l'alimenter, il faudra peu de choses. Dans un premier temps, il faudra vraiment insister, mais après, ils vont se motiver par eux-mêmes. D'accord ? Alors, la troisième chose sur laquelle on peut jouer un levier de motivation, c'est les badges. Alors, les badges, ici, je les présente, donc ils sont tous là. Il y en a des faciles à gagner, donc les météorites qui sont ici, là. Ceux-là, ils sont assez faciles à gagner. Les lunes, c'est sur l'investissement dans l'apprentissage, comme la Terre. Les soleils, c'est avec des défis, vous lisez comme moi. Et puis, les défis, c'est plus dans l'informatique. Alors, on va aller voir comment ça se passe. Moi, ici, j'en ai déjà gagné pas mal. Ben oui, je fais quand même beaucoup d'exercices. Je travaille en maths pas mal. Et je fais plein d'exercices avant de les donner à mes propres élèves. C'est comme ça que je gagne des points et j'espère atteindre les 100 000 points dans pas longtemps. Alors, ici, on est dans les météorites. Alors, ici, vous voyez, hein, on peut en gagner plein. Voilà, progresser, concurrent, perfection. Donc, il y en a plein. Alors, les badges, c'est comme les points. Si on les laisse comme ça et qu'on ne les met pas en avant, ils ne vont pas totalement servir à quelque chose. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est à la fin de la semaine. Dites-moi un peu les badges que vous avez obtenus. Dites-moi un peu si vous avez obtenu des badges dans la catégorie terre, par exemple. Donc là, terre, ça met en avant l'investissement dans l'apprentissage. Dans celui du soleil, c'est plutôt la persévérance. D'accord ? Donc il y en a, ils vont plutôt être soleil, il y en a, ils vont plutôt être lune. Et alors, on peut très bien imaginer des jeux et dire tous ceux qui ont eu un soleil, ils touchent le mur droit de la pièce le plus vite possible. Tous ceux qui ont gagné plus de 2 météorites se mettent sur les tables. Et donc voilà, et c'est là que ça devient intéressant. C'est vraiment de mettre en avant et de valoriser le profil Khan Academy de l'apprenant. Donc, comme je l'ai dit, et j'espère vraiment que le message est passé, c'est vraiment de demander aux élèves comment évoluer leur compte. Et ça peut très bien, donc là je vous donne des idées, mais après c'est à vous de faire selon votre manière d'enseigner. C'est vraiment qui a obtenu plus de 1000 cette semaine, qui a obtenu ce badge bosseur. Ceux qui ont obtenu plus de 3 badges doivent se mettre debout sur leur chaise. Donc c'est vraiment à chaque fois des petits jeux pour les mettre en avant. Et de prendre du temps là-dedans. Au début, c'est un gros investissement pour un professeur. Je sais qu'il y a, ou même un parent, il y a tellement de choses à faire, il y a le travail, enfin, les préparations de cours, enfin, tout ça. Mais prendre un peu de temps au début, eh bien, au final, ça va avoir un impact phénoménal sur le jeune. Alors, ce qui peut être super intéressant également, c'est d'organiser un concours Khan Academy. Donc ça, c'est le concours Khan Academy, c'est un moment valorisant, mais en dehors des points traditionnels, en dehors de sa moyenne au bulletin. Donc ça peut être un certain challenge, et puis ou de donner un bulletin par semaine, quel va être l'élève Khan Academy de la semaine, ou alors ça c'est à vous de le mettre en place. Alors ces diplômes sont disponibles, et on vous envoie le lien dans le chat, donc ces points sont disponibles. Certificats, ces diplômes sont disponibles et il y en a que vous pouvez même changer le titre. Enfin, il y a plein de templates différents. Et alors, pour les donner, vous pouvez autant utiliser les points, les avatars que les badges. Donc, c'est vraiment à vous de construire ce concours. Soit vous le faites même en équipe. Donc, c'est vraiment au choix. Ici, c'est une idée que je propose, et puis surtout, c'est hyper valorisant de recevoir un beau diplôme. Donc, voilà. Et d'organiser une remise des diplômes aussi. Alors, quelque chose d'intéressant et que je n'utilisais pas tant que ça au début quand j'enseignais,
et qui m'a paru en fait hyper important, c'est en fait, il y a beaucoup d'élèves en fait qui ont besoin d'écrire quand même pour résoudre des problèmes, d'accord? Parce que finalement, on étudie, c'est assez jeune d'utiliser les plateformes, et donc pour avoir un petit endroit pour écrire est parfois pas mal. Alors il se trouve à chaque fois, il y a toujours la possibilité d'aller trouver cette manière de faire. Donc admettons, là, j'ai pris au hasard la partie calcul. Je choisis un exercice, priorité des opérations, ça me parle. Non merci, je ne vais pas commencer un défi. Propriété des opérations, pardon. Ça me parle. Alors, à nouveau, en tant que professeur, en tant que parent, pour motiver à les utiliser, souvent les élèves, les apprenants recopient ou en tout cas calquent sur ce que le parent, le professeur fait. Et donc, montrer le chemin, c'est un des plus importants, quoi. Donc, montrer que vous utilisez aussi cet outil peut être vraiment utile. Moi, en tout cas, depuis que je l'utilise, je vois vraiment des différences. Alors ici, vous voyez, ici, il est inscrit. Donc, il est inscrit et alors le stylet apparaît. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'après, on peut écrire, on peut faire un petit mémo ou quoi, si on est visuel. Et puis après, ça reste en fait. Donc là, ici, je coche lequel ? Je coche celui-ci. Voilà, je vérifie. Youpi ! C'est correct. Et donc, en fait, à partir du moment où on a écrit, on a demandé d'avoir le stylo, normalement, il reste pour la suite. Et voilà, et si on veut le retirer, il suffit de cliquer dessus. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quand même assez motivant. Et puis, on peut faire des petits dessins. Donc, c'est un peu ludique. Voilà. Alors, ensuite, ça, c'est vraiment... je le pose là. Voilà, c'est quelque chose de... Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est travailler de manière asynchrone. Donc, ça veut dire que parfois, et qu'un Khan le permet, que les élèves travaillent alors que... s'entraînent sur Khan Academy alors que le prof n'est pas là derrière eux et n'est pas là avec eux ni ne sait pas que les élèves sont là. Donc c'est ça que ça veut dire asynchrone, c'est pas au même moment. Et donc travailler de manière asynchrone, c'est assez motivant quand ça marche. Donc au départ, il faut vraiment mettre ça en place avec des baby steps, donc c'est-à-dire vraiment des mini objectifs en tant que prof ou en tant que parent, se dire ok, je donne des exercices à faire dans la partie devoir. Je regarde le résultat. Et puis en classe, on en discute. Vous avez trouvé ça facile? Comment vous avez trouvé? Comment vous êtes? Et au départ, c'est vraiment important de prendre le temps de ça parce que ça va les motiver. Puisque vous allez montrer que ça vous intéresse de comment est-ce qu'ils vivent l'utilisation d'une plateforme, l'utilisation d'un autre moyen de s'exercer en maths. Donc, ce qui pourrait être fait après en classe, c'est faire des activités de groupe sur Khan Academy, par exemple, ou faire de la classe inversée. Donc, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est de se dire, je vais vous donner un exercice, d'accord, une vidéo à regarder chez vous. Et puis ensuite, c'est vous qui allez faire le cours. Et donc là, ils vont donner le cours à votre place en ayant regardé la vidéo Khan Academy. Donc ils vont se réapproprier la matière et ils vont l'enseigner. Donc là c'est vraiment motivant parce qu'ils se disent ok génial, en fait quand je regarde la vidéo je dois prendre un peu des notes, il faut vraiment que je comprenne les choses parce qu'après voilà, je vais devoir le dire en face de mes amis. Et donc ils peuvent être en petits groupes, comme ça il y en a toujours un qui osera plus prendre la parole, et puis ils vont recréer eux-mêmes des exercices un peu les mêmes que ceux de Khan Academy, et au fur et à mesure ils vont être de plus en plus inventifs en fait, les élèves. Et c'est comme ça qu'on garde des élèves frais et motivés. Voilà pour la partie travailler de manière asynchrone. Il faut s'approprier sa manière de travailler, mais travailler de manière asynchrone, c'est vraiment le futur. Et puis surtout, en période de confinement, vous l'avez tous sûrement vécu,
Tout le monde n'avait pas le même rythme, on était complètement déréglé. Donc voilà. Voilà pour la partie travailler de manière asynchrone. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Je vous invite à écrire les questions dans le chat. Je regarde. Alors, je vois dans le chat pas de questions. Toujours pas de questions. Alors, je vois que dans le chat, Marois, tu es animatrice pédagogique en code et robotique. Alors, du coup, je me permets de te montrer pour être certaine. De te montrer la partie code en attendant. Pour voir s'il y a des questions. Donc la partie, il y a toute une partie informatique ici, apprendre à coder. J'ai moi-même fait pas mal de parcours. C'était vraiment hyper intéressant. Alors évidemment, comme le code, je pense que tu le sais bien et tout le monde un peu le sait, c'est un monde qui est en anglais. Donc en fait, on a CAD Academy à sous-titrer tout pour qu'on puisse quand même comprendre, mais il y a un langage anglais à l'arrière. Puisque le code se fait quasi tout le temps en anglais. Voilà. Alors, toujours pas de questions. Alors, juste un rappel en vrac, alors, très rapide, pour faire un peu un résumé. Donc, comment motiver les élèves, donc je le dirai jamais assez, ben, de créer des jeux de gamification, donc c'est mettre en place des jeux, des challenges, s'intéresser, donc ça c'est vraiment important, c'est s'intéresser au compte CAD Academy de l'élève. Vraiment important. Alors ensuite, je rappelle que CAD Academy est disponible sur le téléphone. Je sais que tout le monde n'a pas d'ordinateur, mais je peux quasi dire que tout le monde a un téléphone. Donc pour les enseignants, la partie enseignant est disponible que sur ordinateur. Mais pour les élèves, tout fonctionne sur le téléphone. Alors, important, comment est-ce qu'on fait pour différencier les élèves? Donc, c'est toujours avec la partie devoir qu'on différencie les élèves. Donc, on peut les motiver comme ça en donnant, motiver un élève qui, lui, a soif d'apprendre. On va lui donner des exercices un peu plus compliqués, le challenger, parce qu'on sait que c'est un élève qui aime bien le challenge. Et par contre, des élèves qui sont un peu plus, pour les remettre en confiance, on va les mettre dans des exercices un peu plus simples. Donc, c'est vraiment dans la partie devoir, en attribuant les bons exercices. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'ai essayé de suivre un timing assez rapide. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que j'ai été claire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vraiment, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous par mail. Et n'hésitez pas, toutes les ressources guides enseignants sont sur CAD Academy. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi et rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire sur la partie esprit de développement sur CAD Academy.